Next Party retwitch, du coup, on est toujours là, nous. Et coucou YouTube, bienvenue sur ce win streak de 11. On va essayer d'avoir le deuxième. Et on tombe sur, par pitié, un truc sympa quand même. Un truc assez... Oh ah Isaac D6, c'est easy ça. C'est gagné, c'est bon, vous pouvez partir, vous savez que j'ai gagné. En vrai, pas du tout. Hein. En vrai, c'est pas du tout gagné. Comme d'habitude, hein, on va pas reroll. On va pas reroll. On va juste se mettre bien. On va essayer d'assumer cette partie en espérant quelque chose de sympathique. On a Superdose, par contre, c'est la bonne ambiance. Hein. Heureusement que la salle est périlleuse. Tout ça pour une pilule, quoi. Je peux passer là ouais. Je vais pas tenter maintenant. Je sais pas. C'est les boys. Salut. Hein. Bienvenue. Ah, alors l'objet, quel est donc cet objet? C'est pas très très bien quand même, hein. Bah, on est tenté de reroll tout de suite, hein. Je vais peut-être attendre quand même de voir l'objet du boss, parce que si l'objet du boss pue vraiment du lerche... ce serait peut-être mieux d'obtenir un objet... Ah, quoi que... Ah si, y'a quand même plus de chances d'avoir Magic Mushroom ou un Tears Up. En fait, y'a plus de chances d'avoir un truc bien dans les salles de boss, quoi qu'il en soit. Après, il y a des chances d'avoir des trucs ouf dans les salles d'objets, mais... Oh, je sais pas, en vrai, ce qui se vaut le mieux. Bon, quoi qu'il en soit, on va reroll l'un des deux. Vous inquiétez pas, je suis pas fou. Oh, il... Oh, aïe, aïe, aïe. Attends. Oh, c'est bon. C'est bon, je peux rendre ça rentable. Vous êtes prêts? Vous voyez le coffre, il est là? Vous clignez les yeux, il est de l'autre côté. Clignez longtemps, hein. Clignez pendant genre... Allez, 10 secondes. Clignez là. 1... 2... 3... 4, 5, 6, et on j'ai été encore plus vite que prévu. Pas mal l'animal. Allez les deux, comme ça les bombes aussi, on en a plus. Pas mal l'animal ça, hein, eh. Ça va les coups de se faire chier. Une connard. Ne regarde pas le chat quand tu te bats contre un boss. Oh, j'ai l'impression d'engueuler un enfant alors que je me parle tout seul. Hein. Peut-être que je suis un enfant, en fait. Oh, yeah, yeah, yes. Ah bah non, ça se prend, bien sûr. Ça se prend, et du coup, on va les reroll. La Box of Spiders. Qui me sert vraiment que dalle. Focus boss, pas noué, mais excusez-moi de penser à vous, quoi. Je ne suis qu'un être humain. Dites-le, hein, si vous voulez que je fasse comme MV, que je lise plus le chat. Parce qu'on sera à 400 millions de viewers, je vous promets. Allez. Oh, ça va. C'est mignon pour le début de partie, en tout cas. Pour le reste, on va l'oublier très vite, mais... C'est Mimi. Allez. Little Monstro, qu'est-ce qu'on en pense? Vous le savez déjà. C'est pas mal. Allez. C'est un bon début. Un bon début. C'est pas non plus extraordinaire, hein, soit dit, mais... C'est comme ça. Bah super, vas-y, file-moi des troll bombes, salaud. Moi je t'ai pris parce que je voulais que tu m'aides, quoi. J'ai confiance en toi. Ah, j'ai pas de bombe. Peut-être qu'il y en a un là-dedans. Et non, ailleurs, on aura le Angel Room. Bof. On prend pour le moment, mais on s'en fout un peu. Hein. Donc il va me falloir deux bombes pour accéder à ça quand même. Hein. Accéder au coffre et au rocher marqué, c'est cher. Hein. J'ai le temps? Moi j'ai le temps. C'est vrai que Little Monstro va bien m'aider à éteindre le feu. Sacré pompier lui finalement. Hein. Calme-toi, calme-toi. Je ne sais pas qui tu es, mais fous-moi là. Parce que là en fait, si je me fais toucher, j'ai pas de DVD là, parce que je crois que j'ai pas de cœur gris encore. Hein. Pas encore le cœur gris, donc faut que je fasse gaffe. Et ouais, non, on est déjà assez lent comme ça, hein. En même temps, pour un DVD, c'est cool, hein. Ça me permettrait d'avoir vraiment tout ce que je veux. Hein. Oh, je sais pas. Je suis mitigé. Mitigé. On va d'abord attendre que mon dé soit reroulé pour charger. Et en vrai, est-ce que je vais pouvoir... Ah non, je vais pas pouvoir. Ça, non.
Et j'ai utilisé mon dé sur quoi? Je l'ai utilisé en moi. Je suis bourré. C'est sûr qu'il y a eu aucune salle, non? Ziwardo, allez. Oh, bah ça c'est bon ça. Ah, mais du coup, dans le cul en fait. Dans le cul, le reroll quoi. C'est quoi, j'ai eu que les salles vides? Comment ça se fait? On va attendre d'avoir fait le level là-bas. Monstre, tiens, vas-y, fais-toi tabasser par ton propre enfant. Hop là. Ça va, il a tout esquivé. Oh, j'ai fini de faire tabasser par le mob. Vas-y, crache sur ton père. Comme quand t'étais bébé. Bah, t'es toujours bébé d'ailleurs. Ah, mais c'est bon, j'ai mes deux bombes. J'ai mes deux bombes pour les coffres, ça va être cool ça. Bon, duel sub, au bout d'un moment, ça commence à se voir. Hein. Merde! C'est bon, toi, mais. Putain, je vais chier, j'aurais pu reroll ça aussi, hein, c'est de la merde. Vous savez quoi, hein? Vous savez quoi, hein? Nick. Nick, système capitaliste. Ah, faut être dommage de rater ça, effectivement. On va aller ouvrir les coffres. Espérons peut-être une batterie. Qui sait. Toujours dans l'esprit du plaisir. C'est lourd. Merci beaucoup pour les 4 mois de plaisir. Et comment on a fait beaucoup de vie, hein? Après, c'est bien ça, mais. Mort éternelle. Ah, on va bien te faire voir. Bon, bah, on s'emmerde, hein, vraiment. Et du coup, je vais là, hein. D'accord, je vais là. Hein. Je tente. Ah, mais oui! Je vais pouvoir reroll! C'est beau ça. Merci. Je t'en. Attention quand même, hein. Mon argent! Ah, bah non, bah, je veux mon argent, moi. J'avais pas pensé à ça. Du coup, je reroll quoi? Bah oui, je reroll le Bucket of Lard. On s'en fout du Bucket of Lord. Ah, ça va. Ouais, bon, c'est cool en vrai. Tu tires up et de temps en temps on tire un rasoir. Ce qui peut faire mal, hein. Si on tire un rasoir rouge, il va faire très très mal. Hein. Et du coup, je prends ça ou je prends pas ça? Bon, ouais. Hein. Bon, ouais. Hein. Tu veux de la vie? Oh, mais regardez ça, quoi. 6 cœurs rouges! C'est bon, quoi. En vrai, j'ai pas de ressources. Allons-y. Yes, ça va le coup. Hein. Vraiment, je pense que j'ai bien fait de faire ça. Je rappelle qu'on est là bien sûr pour s'amuser. On est là avant tout pour plaisir. Après c'est vrai que mon sac va me donner des bombes donc c'est sympa. Alors si des fois je fais des gestes bizarres c'est parce qu'en fait je manipule Little Monstro. Hein. Je fais des gestes pour que son crachat aille dans une direction ou d'une autre. Parce qu'il y a des fois où ça vaut plus le coup que ce soit Little Monstro qui touche que moi. Donc, c'est normal, j'essaie de manipuler parce qu'en fonction de là où je vais, en fonction de là où je me dirige, il tire en diagonale ou il tire en arrière, en avant, tout ça. C'est pour ça qu'elle est pas chaud, ouais. Je pense que si un jour vous me voyez bourré en stream, c'est que là j'aurai atteint un stade de ma vie terrible. Ça n'arrivera pas. C'est le Vic Fox. On s'ennuie totalement. On est d'accord, c'est pas. Non, ça... Là, si j'explose le tapis. Là, si j'explose le tapis, j'ai juste. J'ai pas une échelle de corde, là, j'ai juste. Une trappe pour le prochain niveau, et ça, je m'en fous. Imitate Polaroid the negative on music page. Genre tout le temps? Ah non, je joue pas drôle. Ah ouais, j'ai quand même envie de tenter les devil deal, hein, parce que j'ai beaucoup de vie, donc. Stop. Très con, soit limité. Pourtant, elle me fait bourrer en stream, c'est drôle. Ah, il l'a déjà fait. C'était Célia qui était bourrée, ouais. Non, moi, vous m'avez jamais vu bourrer en stream. Oui. Bon, on nous tire. Les tirs auto-guidés, c'est pas mal.
tout simplement inouï. Merci Kama. Merci Kama pour les bons. Voir le compteur de dons à zéro me perturbe. Je suis d'accord avec toi, c'est vrai qu'on a tendance à oublier ce compteur de dons. Vous pensez pas assez au compteur de dons. Si vous faites pas pour moi, faites-le au moins pour lui, quoi. Pensez à lui, merde. De sauvage. Est-ce que ça vaut le coup de se faire tartiner de cœur pour autant de pièces? Non. Mais vite, on verra au magasin. Dommage que les tirs de monstro soient pas auto-guidés aussi, hein. Ça serait drôle. Déjà, faut bourrer une aile, ça c'est chaud. Ah ouais. Allez-y, les gars. Payez-moi 3 bouteilles. Parce que si vous me payez pas 3 bouteilles, je vais pas être bourré. Hein. Ah non, mais un Lucky Coin, je le prends, moi. Voilà. On optimise toujours. Ah non, ça suffit. Ça suffit. Ah, en vrai, c'est... Ouais, pay to play, pourquoi pas, c'est quasiment gratos. Ça m'a coûté que 2 pièces, parce que bah ça redonne 5. Le reste, on s'en brûle. Faut brûler, je trouve. Pas fou. Non, je ferais le chiant. Chiant, mais ça devrait aller. Ah, il est noir. Il est facile en noir, je crois. Ah non, en noir, il est chiant parce qu'il est directement comme ça, en fait. Après, il est pas particulièrement dur, en ce moment, ça, en vrai. Il fait peur, mais il est pas dur. Oui. Ça fait beaucoup de vie, hein, par contre. Ça fait vraiment beaucoup de vie. Est-ce que je vais tenter la salle de... Oui, j'y vais. Oh, allez. On a qu'une vie. La salle m'a dit. Oh bon, c'est gratos, quoi. Alors, littéralement gratuit, ça n'a rien coûté, ça n'a rien... rien donné. Je vais juste pour la science, mais je crois que ça va faire une trappe vide, c'est ça. Bah, allez, autant gagner du temps. Ça aurait été marrant de 1000 slick D6, hein. On aurait écrit 4 sad à la place. On peut pas l'avoir en boss, je crois, hein, 4 sad. On peut l'avoir en salle d'objets et en coffre, hein. C'est bien ça. Alors. Une lucky coin, je la veux. Allez, bon modèle. Ouais, je suis prêt à beaucoup pour un lucky coin, moi, vous savez. Ça augmente mes chances d'avoir des rasoirs. Et les rasoirs, ça fait très mal. Pour ceux qui se demandent hein, comment on reconnaît les lucky coins... Ah ouais, elle saute, j'en rêve. Pour ceux qui se demandent comment on reconnaît les lucky coins, c'est simple, ils ont un petit reflet vert. Plus de chances d'être téléporté dans les Devil Deals. Actuellement, les coffres, j'ai plus de clés, donc... tout mon blanc. Une chance d'avoir un health up lorsqu'on se fait toucher, non merci. Ah, je crois que c'était une librairie nulle avec juste un livre dedans. Et surtout, plaisir. Merci, Mike Dust. Ouais. Pas mal. J'ai une batterie ici, c'est bon, ça va. Petit clone pour une partie encore plus rasoir, bravo. On a des poètes, hein. C'est là qu'on se dit qu'on est une bonne communauté. Bravo. Oh, tu m'as donné l'accès à ce goodies incroyable qui est la bombe. C'est pas... ça fait plaisir, quand même. Bah, du coup, on n'aura jamais accès à ces salles de challenge, non. Eh oh. Je peux avoir un DVD, là, s'il vous plaît. À Abaddon, comme ça j'aurai plus de cœur rouge. On a trop de cœur rouge, moi ça me va pas. Merci Mindus Duns pour l'abonnement. La grosse bise. Et en vrai, ça. Ça revient, hein. Ça revient, les abos. Hein. Merci. Merci d'être encore là. Merci aux anciens et merci aux nouveaux. Hein. Merci à ceux qui tentent le pas. Ceux qui tentent le plaisir. Ils se laissent tenter. C'est grâce à vous que je paye mon loyer, n'oubliez pas. N'oubliez pas. J'aimerais vous dire que c'est. Que j'exagère et que je rigole, mais non, comme ça va. Ceux qui suivent les lives blabla le savent. Yes! Ah, 2 anges pour le prix là?
Attends, mais du coup, attends. C'est lui, je le bute. Voilà, c'est pas dégueulasse, mais... Déjà, tout calme. Toi aussi, je te bute, j'ai une clé, d'accord? Parce que si je bute ton petit frère, j'ai une deuxième clé, je crois pas, hein. Je crois que ça marche pas... Je peux pas vous mentir que Méga Satan, je m'en tartine voilà. Putain, cette expression elle est vraiment dégueulasse. Hein. Je m'en tortine. Mais c'est vrai qu'il y a Monstro B. Monstro Baby. Alors, du coup. Et maintenant, est-ce que je vais en avoir une deuxième? Parce que je sais que si on spawn les deux, on a effectivement qu'une seule clé. Mais si on spawn les uns après les autres, peut-être qu'on a les deux. Ah merde, je me suis trompé. J'ai mal lu. Allez, casse-toi, casse-toi, je t'aime pas. Eh oui, on a les deux, bravo. Sachez-le, hein, ne spawnez pas les deux en même temps, sinon vous aurez qu'une seule clé. Alors. Ah, je suis tenté de tenter directement la baiserie, allez. Oh bah ça, monsieur, dame, on prend. Ça aussi. Ah, let's down. Quel dommage, let's down. Vraiment, j'en suis vraiment très triste. Tears up. Alors ça, pour une salle divine, on peut pas faire plus divin, là. On va pas se mentir, pas dégueu. Pas dégueu. Et le cap, allez. Bon, je pense que le côté divin de la salle n'est plus trop approuvé, là. Ça va, ça va. Et on a encore des chances d'avoir les Devil Deal derrière. Attention, hein. On peut avoir Brimstone, même si là, Brimstone, God Brimstone, je crois que ça sert à que dalle. Hein. Quoi? Pourquoi j'ai de l'argent? Ah oui, non, c'est parce que c'est un champion, je crois. C'est la version championne. Oh là là, par contre, on va devenir débile en plus, hein. Attention. Vous voulez que je mette une page de pub pendant la partie, hein, parce que... Vous allez rien rater, hein, vous savez comment ça se termine. Si vous voulez, je mets les pubs, hein. Attendez, on va voir à quel point la sbirification on en est chez nous. Voulez-vous une pub? Oui. Allez-y, si vous êtes sur ordinateur, vous pouvez cliquer sur oui ou non. Est-ce que vous voulez une page de pub? Ce qui est bien, c'est que je sais que les subs vont dire oui parce qu'eux, ils s'en foutent, ils les verront pas. Attention. On pourra pas dire que c'est de ma faute s'il y a des pubs. Ça, c'est beau, ça. Bon, du coup, vous avez parlé. 69 contre 31%. Tac. On arrête. Du coup, c'est parti. Je vais pas le faire. Je vais pas le faire. Pensez à ceux qui voudraient voir, là. Imaginez qu'il se passe un truc pendant les 3 minutes. C'était pour la blague, je vais pas mettre une page de pub. Mais... Pensez à ceux qui n'ont pas. Qui ne sont pas sobres et tout. Qui voudraient vraiment voir la run. Je suis pas comme ça. Hein. Après, on peut refaire un sondage. Je peux faire ça, les gars. Sad Bombs. Oh ouais, en vrai, c'est rigolo, Sad Bombs. Hein. Il y a de quoi tartiner hein, avec ça aussi. Hein. Enfin, tartiner, pourquoi je. J'utilise cette expression que je déteste. Ça, c'est internet, hein. À force de détester quelque chose, on finit par l'aimer. Bon, on a voté oui. Ouais, mais vous avez voté oui, mais est-ce que vous pensez aux 30% qui ont voté non? C'est ça aussi. C'est ça aussi être humain. C'est comme le dab, tellement. C'est tellement vrai. Bon, étage pas très intéressant. En fait, j'aurais dû mettre une pub. Ouais, je mets une pub. J'en mets une.
avez une pub ou pas? Parce que c'est pas lancé, j'aimerais. Là, là, normalement, vous avez une pub. Alors, elle était bien cette pub, hein. Vous avez raté des trucs incroyables, hein, vraiment. C'est fou. Nul. Tout est nul. Hein. Enfin, un job, c'est nul. Hein. Ça, c'est vraiment nul, par contre. Oh, plaisant, ça. Très plaisant. Bonne nouvelle. Ouh, si on arrive à avoir assez de charge pour le D6, il y a de quoi s'amuser, hein. Il y a de quoi faire des erreurs aussi, hein, certes. Ushi. Bon, ça va. Pas trop relou, là. Salut, Jazou. Est-ce que quelqu'un a eu une pub? C'est ça que je veux savoir. Ou si littéralement personne a eu une pub, génial. Merci, Twitch. Ah, bonjour toi, bah régale-toi. J'en ai plein. J'en ai plein de proposer. Ok, en plus c'est gratos. Merci à cette petite crosse. C'est quoi? Demain, bébé, bah bravo. Bravo, le chat. Bon, on va pas voir hein, ce qu'on prend, mais on va le prendre. Hein. Ça. Soyez sûr qu'on va le prendre. Alors, c'est ce bouquin, il y a encore des bouquins. On aura tous les bouquins du jeu, c'est beau. Book of Dead, c'est bien, en vrai. J'ai trouvé ça vachement sympa la dernière fois que je l'ai eu. Faudrait qu'on fasse une run Book of Dead un jour. Rien eu. Vous avez Headlock en 2019. Pourquoi faites-vous ça? Et bisous à ceux qui rejoignent depuis tout à l'heure. C'est de plus en plus nombreux. Allez. Forget me now. Ah. Bible. Burgers Jingles. Voilà, là on voit tout là. Bon, là on va avoir des objets inédits. 100% inédits. Ah, tiens, une pub. Je crois que personne n'en a eu. Hein. Tellement. Super. Première fois pour moi, je suis sur YouTube depuis un an. Ah, je vais dire bravo, non, bienvenue. Bravo. Incroyable, tu as été sur Twitch. Enfin, bienvenue à toi. Alors, qu'est-ce qu'on a? On sait pas ce qu'on prend, hein. C'est très dangereux ce que je fais. Mais c'est drôle. Hein. The body. Oh, ça sert à rien, ça. C'est peut-être temps d'avoir des devil deals, quand même. C'est peut-être temps d'arrêter de faire chier. C'est vrai. On va aller voir qui c'est lui. Oh, yeah. Je pense qu'on l'aura pas dû. Je me sens mal pour lui. Bah, du coup, si vous avez pas de pub, j'ai envie d'en remettre. Hein. Parce que j'ai l'impression de vous avoir un petit peu menti, quoi. Je vous ai promis des pubs et vous en avez pas eu, quoi. C'est un peu dommage. Je vais relancer une page. Promis, après cette partie, je lance une page de pub. C'est vraiment pour vous que je le fais. Hein. C'est vraiment pas dans mon intérêt personnel, vous vous doutez. En vrai, en plus, je fais ça, mais je dis ça en déconnant, mais il faut pas trop négliger les pubs parce que mine de rien, c'est vrai que sur Twitch, c'est tellement plus rentable que sur YouTube. Steam Sale, oh bah, Steam Sale en réduction, c'est pas mal, ça, comme concept, j'aime bien. Prison Map, bah voilà, quoi demande le peuple. Regarde-moi cette bombe très puissante qui fait très mal. Fanny Pink, compose-tu. Allons-y, allons-y. C'est gratuit. Ah, un peu loin. Un peu trop tard. Hein. Mais on apprécie quand même l'effort. Il y a un effort de la part du jeu qui a voulu qu'on s'amuse. Ah, Guppy? Guppy! Oh oui, Guppy! Non, parce que là j'ai trop de cœur rouge. Voilà. J'en garde deux, c'est bien deux, hein. Ouais.
suffisant de... ça commence à devenir galère de suivre un chat et deux conversations Discord en même temps, bah tu m'étonnes. Pourquoi faire ça? Qui fait ça? Oh, apparemment. Ah, on peut retourner au magasin, là. Ce serait dommage, quand même, de pas y aller. Ouais, ouais, je sais, c'est bizarre. Mais en vrai, un deuxième D6 instantanément, ça peut être bon plan. Ah, vous inquiétez pas, moi, j'ai pas peur de ce que j'ai envie de faire avec Guppy, hein. Ça augmente mes chances d'avoir des Devil Lille parce que... Oh, bah attendez. Mais en soi, j'ai augmenté mes chances d'avoir des deals, hein. Enfin, de pouvoir prendre les DVD. C'est quoi? C'est Ah, dans ma prochaine run, j'aurai un objet en plus, ça c'est bien ça. Je crois que c'est ça. Est-ce que je prends le... Allez. C'est ton jamais. Ah, je me sens faible. Ah, je me sens pas fort. Toujours pas de deal quoi, vous avez 72%. Ça. C'est cool, il y a une pub. Et un tears up, oui, c'est vrai que ça fait tears up. J'ai commencé il y a longtemps le stream, il y a 2 heures. Il y a 2 heures, on a commencé à streamer. Tu peux tiens, toi là-bas, je t'ai vu. Hein. Mais oui, du coup, on a toute la map, mais on voit rien. Alors, on a pas la boussole, hein, ça marche. Pourquoi j'en joue une partie difficile? Oh. Au revoir. Ouf, ça vaut le coup. C'est comme si c'était gratuit, finalement. Vous êtes pas prêt pour cette manipulation. L'optimisation est toujours là. Ah! Attention. Merci. Tous Arcs. Oui, mais non. Je n'ai point besoin de ça. Rocher marqué, j'ai. Ah, non, mais j'ai déjà eu l'objet intéressant, donc finalement on s'en fout les rochers marqués. J'ai déjà eu dès le début de partie, je crois. Combien les Win Streak là? Il est à 11 et on part sur le 12 là. On part sur une 12ème victoire! Peut-être une 13ème après. Je vais essayer d'enchaîner sur une 13ème. Je pense qu'on a le temps ce soir d'enchaîner sur une 13ème. Ça me semble faisable. Attention à ta vie. Bah alors, une guppy. C'est pas ce que c'est. Quelque chose de maze. On s'en fout. C'est quand même un peu triché, hein, cette option. Ah. C'est long. Passe. Merci. Ça en fait les tueurs. Hein. Allez, tiens, c'est vous. C'est très intéressant. Hein. Oh non, Krampus. Bah alors. Même pas, il me donne un objet intéressant, quoi. Salaud. Ah, ça, ça va. Ça, ça va. Du coup, hein, on va aller chercher une batterie. On va aller reroll ça quand même, on se respecte. Merci. Merci infiniment. J'avais envie de donner cette clé, j'avais envie d'être généreux un peu, j'avais envie de faire partager ma richesse. Je sais que j'ai un Dice Shard, hein. Je vais le garder. Je vais le garder autant que je peux. Pour une vraie occasion. Je suis triste. Bon, on va le spoon, hein. Spoon. Parce que je crois que j'ai déjà une piqûre, donc ça m'en fait 2. Si j'en ai une 3ème, c'est pas mal. Et bon, on y va. Il a fini de tirer de l'Utonie. Ah bah non, il va continuer à l'infini. Parce qu'en fait, il me considère comme un ennemi pour l'instant, donc tant qu'il me voit, il va me tirer dessus.
En fait, c'est vraiment mal foutu ce truc-là. C'est vraiment fait comme tu veux. Renjepu! Et Airsup, moi. Machine de l'ombre, tu sais quoi? Je te l'ai. Pas besoin d'en avoir un. Attends, par contre, toi, tu vas bien mourir. Hein. Ça m'augmente mes chances de dead si je te tue. Hein. Non? Pas toi? Quel est ce maléfice? Et quoi là? C'est quelque chose, je sais pas. Peut-être un mini-boss. Il y a pas de mini-boss. Vous savez, je tente des trucs, hein. On est là pour tenter. Hein, tout. Alors, pas aller. Ça fait quoi déjà les piqûres? Bah, en fait, les piqûres ont chacun un effet. Et si jamais on en a deux, si jamais on a trois piqûres dans le jeu, on se transforme en spoon. Ce qui nous offre un bonus d'attaque. 48 heures d'énergie, ça c'est bien, c'est oui, j'avoue. Ok. Qu'est-ce que je fais? Je conserve mon dash char et je l'utilise plus tard. On va essayer de faire ça, ouais, non, non. On va partir sur les 48 heures d'énergie direct. Hein. Si jamais on a un objet à reroll à un moment, on y pensera ce dash char, mais là tout de suite, très peu d'intérêt. Ah, bah, peut-être que Pride. Peut-être que tu as rien du tout, hein. Je l'ai tué trop vite. Je vais pas essayer de tenter pour prendre besoin. Putain, c'est vrai que mon Maw of the Void il est homing. Oh là là. Ce stuff qui tient. On dirait une sécurité enfant ce stuff. Et encore un truc qui vomit, bah super. J'ai tous les trucs qui vomit. Hein. Un plaisir pour les oreilles. Putain, c'est tellement pété ça. Le fait que ce soit homing, c'est tellement fort. Elle le considère comme un... Il considère mon pote comme un ennemi, quoi. Super. Bravo, le jeu. Bien codé, le jeu. Putain. En vrai, il déconne pas, lui, hein. Du coup, il fait bien mal, hein. Attendez, je suis super curieux. Je suis super curieux de voir contre le boss ce que ça va faire. Je crois que j'ai eu de la chance de spawner ça, parce qu'en plus, c'est dur à tuer, hein, pour les monstres. Allez, sur Eclipse. Ah non, sur Eclipse, ah non, il est bien placé pour pas mourir, normalement. Ah non, il a tué! Il a tué mon copain! J'en ai un autre. Ça va. Oh, et un, c'est nul, hein! C'est pas vrai. C'est très bien. Vous savez quoi, hein, ce petit 3 là, autant les tuer, les gars, je crois. Oh merde, la main. Non, mais c'est stratégique. C'est stratégique, justement, la main. Comme ça, je peux avoir des villes deals. Ici, regardez. Vous n'étiez pas prêt pour ça, moi non plus. C'est bien, j'ai rien ici. Yes. Ça commence à être décevant un peu, hein. Mais les tirs, est-ce que c'est une bonne idée? Je suis pas sûr, hein. Ah, boule de cristal. Putain, que de la merde, hein. Que de la bonne grosse chiasse. Ça fait pas tant de plaisir, hein. La bonne chiasse. On est d'accord que ça sert à que dalle. Voilà, je voulais bien être sûr. Du coup, je vais l'utiliser pour que dalle, c'est cool. Bravo. Ah bah oui, le bébé. Ah mais non, je suis con, c'est dans la run précédente qu'on avait... qu'on était à 1 de la transformation. Oh, je suis bug. Ouais, quand même. Hein. On va se respecter, on va le prendre, on va dire merci à la vie. Quoi. Je dis oui à la vie. Bon, alors je sais que je t'ai donné de l'argent et que je te le pique. Je me le prends pas mal. C'est juste que, quand même, tu vas pas me mentir. C'est sympa d'avoir des gigamouches de temps en temps. Merde. Ouais, je fais un petit pari sur l'avenir, quoi. C'est-à-dire que je compte un peu sur Guppy. Il a la main et le doigt. Comment ça, la main? J'ai la main? On parle de quoi? On parle de Jésus? C'est bien, c'est qu'en plus mon mob il va me spawner des mouches à l'infini tant qu'il sera pas buté. Et bah voilà, à chaque fois que je dis qu'un mob va se faire buter, il se fait tuer. Hein. Vraiment que je suis là, ma gueule. Vraiment, ça devrait bien se passer ce fight. Espérons. Calme-toi, tout va bien se passer, Uchi.
Ouchi, ouchi. Comment ça, 12 rounds pété d'affilée, non, mais oh, je vous permets pas. 12 parties bien stylées, ok. Surtout ça, c'est où talent. Merde. Void. Voilà, donnez-moi des cœurs noirs. Comme ça, je peux me faire toucher sans crainte. C'est une stratégie, là. On va pas. Qui c'est qui veut se faire tartiner? Allez hop! Ça sert à rien! Ça sert à rien, Rushil, y croire! Il essaie même pas de te battre! Oh là là, regardez ses 20 tentatives! Regardez comme c'est ridicule! Il essaye! Hein. Non, mais c'est un peu triste, quoi. Ça me rend triste de voir comme ça un monstre en perdition qui essaie de se débattre contre la mort, mais. Force est de constater qu'il y a clairement une différence! C'est vraiment une différence, Chili. Je vais pas te décevoir, quoi. Allez, hop, donne-moi les cœurs noirs, toi. Comment ça? Comment ça, c'est au cœur noir, en gros? Tu te tiens, mais là. Donne-moi les cœurs noirs, moi. Comment ça? Non, mais ça se rebelle, là. La ferme se rebelle, là. Attention, hein. J'ai jamais dit que je permettais à la ferme de se rebeller, hein. Allez, hop. Ça décède, ça part sur un dessin, merci. J'ai presque envie d'aller voir Delirium, là. On va en finir. Mais non, on va quand même aller voir Isaac. Je pense qu'on va lui manquer si on va toujours voir Delirium et pas Isaac. Il va un petit peu le prendre mal. Tiens, je te mets ma pièce. C'est bon, c'est vraiment ça. Mon cœur. Tu connais la fonction SR Music de Twitch où on propose des musiques? Non, ça m'intéresse pas trop parce que si vous proposez des musiques, bah en fait ça va être sur le jeu. C'est complètement con. Le jeu a ses propres musiques, Puis je veux pas avoir de problème sur les VOD aussi. Après, si les musiques sont libres de droit, là on parle. Là on parle un langage universel. Mais... Allez quoi? Un civil deal ou un objet de grand pigro? Va rien me donner le chum! Vraiment l'accent le plus nul que j'ai jamais fait de ma vie. Entre le ch'timi et le québécois. Je suis un peu déçu. Alors par contre, hein, faut que je pense quand même. Hein, ne serait-ce que par principe, par respect pour l'humanité. Faut que je pense à annuler mon trinket avant d'entrer dans la salle. Dans la salle du chest. Ce serait bien d'y penser. Tu vas mourir toi là-bas ? Allez ! Voilà. Jamais rien. Mais qui se plaint alors qu'il a un stuff du feu de dieu. Mais qui se plaint d'avoir... de pas avoir Guppy. C'est le riche qui se plaint d'avoir une soupe un peu froide. Allez là, y'a Guppy là, merde ! Il nous le Guppy ! Tirzop, mais on s'en fout du Tirzop, personne s'intéresse à du Tirzop, monsieur. Ah putain, c'est vrai que j'ai... Mais c'est vrai que j'ai... Oh là là... C'est vrai que je peux foncer, comme ça je peux en avoir rien à foutre de la vie. J'ai Holy Hunter, je m'en fous de toi, tu ne me fais pas peur, vile créature, tu es mort en un coup, voilà. Encore vous, Delirium? Non mais c'est bon. On a compris que tu voulais me voir, Delirium, mais casse pas les couilles. Oh, laisse un petit peu les gens s'amuser, quoi. C'est à quoi le petit Hush? Il fait des dégâts. Il est là. En fait, lorsque je tire, il s'arrête. Et lorsque j'arrête de tirer, il continue sa vie. Et il fait des dégâts. Il est pas dégueulasse en termes de dégâts, mais bon, bah, il sert à rien. On va pour s'amuser, en tout. Ouais, c'est worse, hein. Un peu de worse. Rainbow Baby, c'est un Rakyodal. Glitter Bombs, bah, les couilles. Décevant. Y'a pas une 28 000 hour énergie. Voilà, là. Merci. J'ai cru qu'on allait chercher. Oh bah c'est bon. Alors vous allez voir, ça va très bien se passer. Oh, j'ai envie de faire des bêtises.
trop longtemps. Hop là, super. Ah, c'est la super partie. Tirer le KO la totale. Bon, on va s'en passer quand même parce que hein, il faut se respecter dans la vie. Oh oui, oh bah c'est vrai, c'est bon. C'est bon, alors je pose une bombe. Je pose une bombe, hein. Et c'est le 14 juillet. 14 juillet, le is back. Alors, venez là, venez au centre, là, les gars. Venez, venez, venez vous amuser, hein. Venez passer un moment avec le cercle par derrière. Allez, hop. C'est bon, j'ai même plus envie de tirer, quoi. J'ai même plus envie de tirer, je suis dégoûté par cette vie, de facilité. Ah bah tiens, encore une picouse, et voilà, la picouse, et on a plus deux, hein. Pas dégueu. Dégoûté par ton facilité. T'as plus besoin de Jojo, quoi. Merde. Ça va. Attendez, hein, ça va bien se passer. YouTube, prépare ton abonnement. Hein. Prépare très vite ton abonnement. Ah, mais je dis que je tirais pas, moi. J'ai décidé d'arrêter de tirer. Je laisse mes fesses, je laisse mon bébé tuer les ennemis tellement j'en ai à foutre. Hein. Attends. Donc j'ai un appel. J'ai un appel. Hein. Je sais pas. Faites le stream, hein. Faites le stream à la place. Ouais, allô. Oui. Non, là, je suis sur The Manic by Isaac, je me fais un peu chier. Le jeu trop facile. Bon, j'ai ouvert, mais... Attends, je sais pas. C'est que là, bon, là je suis sur ma 12ème victoire à la fille, au bout d'un moment je suis encore. Attends une seconde, je capte ma Attends. Attends, on m'a dit Delirium, attends, deux secondes. Y'a Delirium qui arrive, j'arrive, ouais. Oh putain. Delirium le forceur, hein, vraiment. Gros forceur Delirium, hein. Putain, c'est Delirium, c'est le mec qui se lance dans le rap et il fait tu sais que j'ai sorti un album. Putain. Supportable Delirium. Foutez-moi la paix quoi. Par contre on voit pas la map, quel enfer. J'aurais jamais dû me lancer dans cette histoire. On s'en fait. Je sens pas très fort. Delirium en fait je crois qu'il m'aime vraiment. Je crois qu'à un moment il veut sa revanche. Il y a une run où je vais aller chez Delirium et il va me niquer vraiment. Je pense que ça va finir par arriver. Un jour il va me niquer. Non mais lui invisible, non mais c'est bon. Toujours plus loin dans le sadisme. C'est un mythe horrible, mais si en plus vous vous rendez invisible, sauvez-moi. C'est au mode cet enfer, allez, quitte ça. J'ai cru. En vrai, quitte ça, ça me ferait rien vu que j'ai Magic Mushroom, je crois. Hein. Il me semble que j'ai Magic Mushroom. House of Steel, ça peut être une sécurité au cas où. Au cas où je sais pas, au cas où je mourrais. En vrai, ça me fait chier d'utiliser les bombes là. C'est quoi ça? On s'en fout. Delirium qui t'appelle Senpai en rougissant. Non, mais derrière, voilà. Il n'ose pas la voir, mais il voulait vraiment me voir quoi. Il est là pour me casser la gueule, Delirium, je le sais hein. Mais il a pas compris que ça sert à rien. Ça sert à rien, mais... C'est très bien que j'irai le voir seulement si je vais... si je suis capable de te casser la gueule. Ou alors si vraiment j'ai fait une connerie et que j'essaie de milk. On se rappelle quand même, hein. Je vous rappelle que j'ai quand même osé aller voir Delirium avec Soul Milk, hein. J'ai osé, alors que j'avais besoin de gagner mon Moonstreak, aller voir Delirium en mode Soul Milk. Est-ce que vous vous rendez compte de ça? Allez, Guppy. J'ai acheté le truc pour aller grosse mouche. Je dis pas que j'ai acheté ça pour rien. C'est un mix, ça peut être pété. Bon, en l'occurrence, c'était juste correct. Mais en fait, si j'y avais été, c'est parce que j'avais fait une bêtise. J'avais pris le négatif au lieu du Polaroid. Et du coup, je me suis give le Polaroid pour pouvoir aller quand même à la cathédrale et tout ça. Et en disant que c'était. En admettant que c'était à moitié de la triche, parce que j'aurais pu tout simplement terminer normalement. Hein. C'est pas vraiment de la triche. Mais en admettant que c'était un peu de la triche, je me suis dit, allez. On va quand même assumer. Et quand le jeu m'a donné ce mic, j'ai fait, allez. C'est quoi le jeu? Donne-moi ce mic, on va essayer de se garder. Et ça a été. Mais disons que sans ce mic, je pense que j'étais mieux. Je crois que je sais plus, je me souviens plus du stuff depuis.
Ah bah déjà. Oh bah il était vraiment pressé hein, DM. Putain. Ah la vache. Allez, essaye d'être un petit peu... Il est où? Essaye d'être un petit peu discret quand tu veux me date, quoi. Parce que là, ça se voit que tu me kiffes, hein. Ça commence à se voir beaucoup. Bon, je trouve qu'on soit chien. Voilà, là on se fait moins chien. Cette explosion de saveur. Allez hop! Comment ça, Isaac? Y'a pas Isaac? Y'a que du plaisir, y'a que les feux d'artifice. 14 juillet dans ta gueule, Delirium. Putain, oh, c'était si vite! Oh! C'était si vite! Ah, je pense que ça mérite bien une page de pub. Ah, vous l'avez mérité celle-là. Vous l'avez mérité cette page de pub. Ah là là. Bon, allez, des bisous YouTube, hein. Franchement, n'hésite pas. N'hésite vraiment pas à faire ce que je te demande à chaque fois de vidéo.